Il y en a qui construisent des maisons et il y en a leur métier, c'est les détruire. Vous savez pourquoi dans les films, c'est vous toujours les méchants? Vous n'avez jamais posé de questions? Pourquoi dans les films, c'est vous les méchants? L'Empire, tout ça, les gens avec des casques, habillés comme vous, c'est les méchants dans les films. Et nous, on est les gens. Même chez Hollywood, hein. Même Hollywood le sait. Excusez, les images où le copain parlait des dangers de la Glee F4 juste avant sa mise en application dans la vidéo promotionnelle d'Aceltex. Enfin, pas autant, pas d'Aceltex, mais bon, c'est une vidéo de promotion de nos fameux moyens de maintien de l'ordre. Il parlait aussi, il fallait parler du nombre de blessés, je ne sais pas si je l'ai précisé. Ils sont estimés à 300 du côté des zadistes et 82, il me semble, ou oui, plutôt autour de 82 pour les forces de gendarmerie. Sachant que les blessés des zadistes étaient auto-déclarés du moment qu'ils réussissaient à arriver dans un des postes de soins, ils pouvaient être comptés parmi le nombre de blessés. Je ne suis pas sûr que ceux qui étaient soignés sur le terrain par les médics étaient comptabilisés, mais je pense quand même. Et il y en avait beaucoup qui simplement soit n'estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de soins alors qu'ils avaient été intoxiqués à la lacry de manière assez sauvage, ou que leur blessure apparente ne leur semblait pas si grave, ou simplement ils n'avaient pas la force, ni l'envie, ni même le sentiment de vouloir déranger un poste de soins pour leur propre blessure et préférer laisser la place aux copains. Et aussi les images qui ont été filmées avec la grosse salve de grenades qui a été lancée dans le champ, c'était pendant la trêve entre les deux expulsions. Donc, par là même, même si c'est appelé la trêve, ça vous montre bien qu'est-ce que c'est que la réalité d'une trêve à Notre-Dame-des-Landes en 2018. Et donc, cette salve de grenades, elle s'est déroulée quelques heures avant ou après le fameux copain qui a palgagé les gendarmes à coup de paroles dures. Arrêtez, ça va pas se terminer. Arrêtez, ce temps. On profite des gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. On vous provoque pas. J'ai peur, c'est un massacre. On vous provoque pas. Arrêtez. Arrêtez. On profite des gens qui toujours se connaissent. Arrêtez. Arrêtez! Arrêtez!
avec les germains comme ça. En général, la zone de l'information. On est quand même plus vite. 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 C'est pas avec les travaux que vous normaliserez la ZAD. Ça, c'est important. Vous normaliserez pas la vie ici. Vous la normaliserez pas. C'est pas vos institutions et vos ordres et vos protocoles qui vont changer quoi que ce soit. Et vos petites visites de bourgeoisie. Même si c'est pas bien, c'est pas trop tôt. C'est mon grand état de fait. Alors bonjour, ici Télé-Sonista, on va faire un caméra embarqué. Je vous présente ici les figurins. Je vais faire coucou à la caméra quand même. Oh là là, mais c'est incroyable. Bon, des gendarmes mobiles. Ils ont dit qu'ils étaient contents. C'est des gendarmes mobiles. On les appelle pour le moment immobiles pour un petit moment. Un tout petit peu mobile des fois quand même. Mais ça dépend des moments. Ce que je peux dire comme langage sur une zone motorisée, elle n'est peut-être pas à la bonne place si on a une vue d'ensemble de la zone. Il y a des cabanes qui aujourd'hui, à mon avis, il faudrait qu'elles changent de place. Je ne dis pas qu'il faut qu'elles soient détruites. Changer de place. Mais après ça se discute tout ça. Une zone non motorisée, moi je ne vois pas d'inconvénient à en faire une. S'il faut 50 hectares, par exemple, je prends un chiffre, faut pas le prendre à la lettre. Si on est, on essaye de mettre 50 hectares dans un endroit où que ça gênerait moins l'environnement. Parce qu'on n'est pas là pour être en conflit au quotidien. Après, c'est vrai, j'ai fait une proposition d'aller là-bas. C'est vrai. Après, c'est vrai que... Des fois, il y a de l'orage ici. J'ai un peu la zip, oui, comme ça. Du coup, j'ai dit qu'ils n'ont pas vraiment dit oui, et puis... Oui, l'orage. Appel pour retrouver un sens politique à la lutte qui se mène aujourd'hui sur la ZAD. Ce texte est le fruit d'une longue réflexion à plusieurs qui nous avait conduit à publier une première analyse, qui s'appelait « À Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs, seul un territoire en lutte peut s'opposer à la normalisation industrielle agricole ». Quelques jours avant le rendez-vous du 10 février 2018 sur la ZAD, à la suite de la décision gouvernementale d'abandonner le projet d'aéroport. Excusez, là, on en a encore pour 40 minutes et ça va être très très lourd en informations et en éléments qu'il vous faut maîtriser pour comprendre la complexité de la ZAD. Vous en avez vu un petit aperçu dans la vidéo juste avant. Vous avez vu donc une cabane de zadistes expulsée par d'autres zadistes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez vu aussi donc la visite d'officiels sur le terrain en amont des expulsions, donc en mars, et des phrases non finies. Donc la libération de la route, c'est ce qu'on attend tous pour, trois petits points. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'il faut considérer la libération de la route, la libération là, ou la destruction de la route, parce que c'était une route magnifique qui était accessible quand bien même qu'elle soit occupée, qu'il y ait des chicanes. Simplement la vitesse pour la pratiquer devait être réduite et la route était magnifique avec de très beaux arbres sur les côtés. Ben là, ça a été transformé en un corridor sans âme, on pourrait dire. Donc c'est un point de tension, ça a été un grand point de discorde dès l'abandon de l'aéroport, cette zone. Vous avez vu aussi l'ACIPA avec un de ses représentants, qui est un homme de l'ACIPA, donc c'est la plus ancienne association de lutte contre l'aéroport, qui, dans les faits, après, s'est peu à peu détaché du mouvement une fois que le projet d'aéroport a été terminé. Mais leur influence sur zone est toujours là. Et donc là, ce dont ils discutaient, ben, on peut le prendre plus ou moins comme
un dialogue qui semble cordial, mais dont les implications vont donner lieu à la scène que vous avez vue avec cette maison qui a été déplacée et ses habitants malmenés par d'autres, par des gens qui sont leurs voisins. Donc, pour appréhender la complexité de comment faire vivre un mouvement ou un ensemble de mouvements, et ne serait-ce qu'un ensemble de personnes sur une zone particulière, une zone de ZAD qui a connu des grosses opérations de maintien de l'ordre et une forte présence policière et une volonté où tout était possible et où tout est possible, bien ça prend beaucoup d'heures pour vous expliquer toutes les nuances et la complexité. Du coup, dites-moi si vous préférez qu'on fasse une pause et qu'on passe aux questions, ou est-ce que vous voulez regarder les 40 minutes d'une traite comme ça. Et on peut aussi tous partir se coucher. Hein. À votre préférence. Eh bien, si vous êtes encore là et qu'il y a... Ah, vas-y, c'est l'autre. Ouais, moi, je pense que je vais pas tarder, parce qu'il est déjà minuit. Ça marche. Écoute, de toute façon, on remettra ça pour la suivante. On verra quelle forme elle aura, mais... si, avant de partir, t'as des questions, n'hésite pas à les poser, sinon je t'y répondrai un autre soir. J'avais pas de questions en particulier sur la Notre-Dame des Landes. Ça serait plutôt des. Enfin, moi, je trouve qu'il y aurait un débat un peu plus intéressant à voir, mais sur les aides de façon générale. En effet. En effet, c'est un phénomène en lui-même qui est extrêmement divers et riche, et chaque ZAD va être différente. La meilleure manière de pouvoir appréhender ce que c'est, ça reste la visite sur place. Et en même temps, Notre-Dame-des-Landes a un peu été la mère de toutes les ZAD. Et ce qui s'y est passé, s'y passe, pourra être peut-être retrouvé dans d'autres exemples de ZAD qui grandiront ou subiront des événements qui feront qu'elles seront un peu plus connues, on va dire. Écoute, je me suis peut-être pris de la mauvaise manière sur ce premier livre blanc, mais c'est prévu de parler des autres ZAD et du mouvement dans son ensemble dans un futur livre blanc. Pourquoi NDDL est plus connue que les autres? Parce que c'est celle qui a le plus souffert, c'est celle qui a eu c'est la plus ancienne, c'est celle qui à un moment a réussi à mobiliser le plus de personnes. Elle a quand même occupé l'espace médiatique pendant longtemps, en bien ou en mal. Et même si aujourd'hui elle n'est plus considérée comme une ZAD, il y a toujours l'esprit de la ZAD qui est vivant, et certains l'appellent la ZAD musée. Bien. Et ouais, bon, peut-être que tristement, c'est le fait que c'est la ZAD, une des ZAD, ouais, c'est la ZAD qui a connu le plus de moments violents qui fait qu'elle est le plus connue. Un peu paradoxal, mais ça marche comme ça, les images et l'attention qu'on leur porte. Un plaisir, Prali. Mais, ouais, Naga, toi, qui a...
Vu que tu connais pas très bien le sujet des ZAD, est-ce que t'as eu l'impression que les vidéos et les extraits que j'ai choisis c'était compréhensible, ou ça t'a ouvert justement encore plus de questions, parce que c'était aussi le but de ce choix? Bah franchement, c'était pas mal, hein. C'était quand même trop lourd. Ouais, il y a 1h40 quand même. Ouais, 1h50, j'avoue. Et en plus, j'ai essayé d'être synthétique, mais au moins merci. Je sais que la recette pour le cocktail n'est pas bonne, mais... Parce que là, ouais, il reste encore 40 minutes et plutôt des retours d'expérience de zadistes à l'intérieur sur comment fonctionne le mouvement, comment a marché le mouvement et à quel moment il a foiré. Et, En fait, ça serait intéressant, ça serait intéressant d'avoir ça regroupé au même endroit pour ceux qui veulent creuser le sujet en profondeur. Mais je pense que pour une présentation, un livre blanc, pour parler au maximum de gens, faut surtout pas montrer ça. Parce que du coup, ça reste... c'est trop, comment dire, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop dense, beaucoup trop d'informations, même pas, mais c'est juste trop long à tout montrer. Ok. Et du coup, vaut mieux synthétiser, tu vois. Vaut mieux avoir une synthèse des ressentis des gens, de ce qu'ils ont, de comment ils l'ont vécu. Je pense que tu vois, ça aurait été un peu plus intéressant d'avoir, l'origine, effectivement, avec la vidéo d'archive, etc., parce que du coup, ça permet de donner un peu de contexte à tout ça. Mais après, de tout de suite partir sur chronologiquement ce qui s'est passé, comment les gens vivaient là-bas, quelles actions ils menaient, etc., quel type de résistance ils mettaient en place, comment les flics essayaient de prendre d'assaut le truc, mais d'essayer de faire de caser tout ça en pas plus de 2 heures, en fait, ça serait top. Mais vraiment, en fait, c'est de faire un condensé. 3 livres blancs en un, en fait. Parce que là, t'es parti sur 3 livres blancs. Et du coup, d'en faire 3 en un, ça serait... C'est plus compliqué, parce que du coup, il faut être très synthétique et trier de quelle information on ne parle pas. Mais... parce que du coup, c'est difficilement digeste, je trouve. Après, c'est un avis perso, hein, mais... Ah non, mais je le... Ça m'a rappelé un peu les documentaires sur des trucs un peu bizarres... qu'on nous montrait au collège et tout le monde était là en mode mais qu'est-ce qu'on nous montre. Ouais, ça... c'est de plusieurs vidéos là. Je vais bien bosser sur ça, mais il y a tellement de choses importantes qui sont si nombreuses que ça en devient des détails et pour essayer de rendre honneur au sujet, c'est rien que pour couper un témoignage en deux et en sélectionner que 10 minutes sur 20, c'est pour moi c'est difficile à faire parce que beaucoup de tous les mots me paraissent pertinents et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire en mélangeant des images de médias, des témoignages de discussions sur zone ou des enregistrements vocaux. Et ouais, c'est un gros point d'introduction qui est malhabile. Mais en tout cas, merci pour le retour. Je vais m'améliorer pour le deuxième. Mais... Mais du coup, ouais. Il va y avoir combien de livres blancs sur ça? Écoute, j'étais parti sur 3, mais... Je vais essayer de plus cloisonner. En fait, j'ai peut-être trop envie d'apporter des éléments de réponse là dans ce premier sans avoir le temps de les approfondir, en me disant que si je parle spécifiquement de... l'histoire des ZAD, lesquelles sont actives en France, quelle est leur histoire, ça va automatiquement amener à un moment ou à un autre d'attaquer des points qui sont en eux-mêmes extrêmement complexes, difficiles à synthétiser et pourtant d'une importance
extrêmement, extrêmement grande. Je vais essayer de faire un travail de cloisonnement en ne partant pas sur la divagation des grenades ou à qui appartient la Terre ou quelles ambiguïtés il y avait à l'intérieur du mouvement pour parler uniquement de faits et de dates précises sans chercher à approfondir ou à donner des détails quant à beaucoup de points. Et je me débrouillerai en questions-réponses pour les traiter ensuite, si elles se manifestent. Bon, en tout cas, merci pour votre présence, les gars. Vous avez été courageux pour bêta-tester ce truc. On va pas appeler ça un livre blanc. Hein, mais... Non, mais de rien. Mais ouais, c'est le genre de sujet, c'est compliqué de synthétiser. Mais du coup, ouais, faut bien choisir. Enfin, ouais, faut bien choisir ces trucs, quoi. Ouais. Allez, demain, je donnerai une date pour le deuxième. Et je me focaliserai sur l'histoire des ZAD uniquement. Appel pour retrouver un sens politique à la lutte qui se mène aujourd'hui sur la ZAD. Ce texte est le fruit d'une longue réflexion à plusieurs qui nous avait conduit à publier une première analyse, qui s'appelait « À Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs, seul un territoire en lutte peut s'opposer à la normalisation industrielle agricole », quelques jours avant le rendez-vous du 10 février 2018 sur la ZAD, à la suite de la décision gouvernementale d'abandonner le projet d'aéroport. Le processus de négociation que nous critiquions alors enferme désormais le devenir de la ZAD. Ce nouvel appel ne se veut pas une réaction à une actualité derrière laquelle nous serions éternellement à la traîne. Il est publié quelques heures avant l'annonce gouvernementale qui doit fixer le nom des personnes qui auront le droit de mener un projet agricole sur la ZAD. Nous, agriculteurs, agricultrices et habitants des campagnes, engagés dans un conflit contre la normalisation industrielle des campagnes largement organisée par les administrations agricoles, avons eu l'occasion de prendre part à maintes reprises à la lutte qui se mène à Notre-Dame-des-Landes depuis des années. Comme des milliers de personnes, nous n'y avons pas seulement reconnu une lutte contre un aéroport, mais tout autant un territoire et des habitants qui ont su pendant 10 ans se libérer d'une emprise administrative qui industrialise les campagnes à marche forcée. Derrière les multiples cabanes, les fromages, la viande, les animaux, les semences, les légumes, les céréales, le non-marché, etc., nous y avons reconnu une autonomie et une liberté reconquises en tenant à distance les administrations, leurs normes et leurs contrôleurs. Là où chacun dans nos campagnes, nous tentons de manière chaque fois trop isolée de ne pas mettre de puces électroniques aux oreilles de nos animaux, d'abattre nos animaux à la ferme, de fabriquer nos fromages hors des normes d'hygiène qui les aseptisent, de contourner les normes de sécurité sanitaire qui interdisent les pratiques paysannes, voire éliminent en masse les troupeaux, de ne pas répondre aux injonctions de traçabilité qui ne servent que l'argumentaire publicitaire pour écouler la merde industrielle, de construire nos hangars et nos maisons à l'encontre des plans locaux d'urbanisme qui font des zones agricoles, des zones industrielles comme les autres. La ZAD a longtemps montré que le rapport de force avec l'État est le seul moyen de libérer nos pratiques et nos imaginaires. Où est la division ? Depuis l'abandon de l'aéroport, l'opération militaire et le processus de négociation orchestré par la préfecture ont fracturé la ZAD et fait perdre de vue à beaucoup le sens politique du conflit en cours. Cette fracture, imposée par l'État, est aujourd'hui reprise à leur compte par une grande partie des personnes toujours impliquées dans le conflit. Quiconque met les pieds sur la ZAD peut aujourd'hui prendre la mesure de la réussite provisoire de la manœuvre étatique de division. Grossièrement, une ligne de partage séparerait la zone dévastée, à l'est, d'une zone d'avenir potentielle, à l'ouest. Et il faudrait surmonter cette séparation pour laisser la place à la normalisation négociée de la ZAD. Mais cette spatialisation révèle une tension politique dont il nous faut définir les acteurs et les pratiques. Dans le même temps, alors que les expulsés tentent toujours de reconquérir leur territoire ravagé, nombre de citoyens opposants à l'aéroport accentuent l'opération de division en opposant les habitants jusqu'aux boutistes, radicaux ou mauvais, et les raisonnables, légalistes ou bons, tentant par là de marginaliser et de décrédibiliser les premiers en militant pour un retour à la normale, c'est-à-dire à l'état de droit, niant du même coup toute portée politique de l'affront et ce même état de droit que constitue la ZAD depuis 10 ans. Au sein même des habitants de la ZAD, cette division a trouvé son vocabulaire.
Il y a désormais les anti-autoritaires et les autoritaires, déclinés sous forme inorganisée et organisée, ou encore les pauvres en capital social et les riches en capital social. Entre les faibles et puissants, ou plus ostracisants, entre chieurs punk à chien relou anarchiste primitiviste, schlag bouffon et les stratèges pragmatiques antello. Ces divisions, désormais inscrites comme événements médiatiques, fabriquent les figures spectaculaires, forcément réductrices, qui ont surtout le mérite d'occulter le sens politique de ce qui se joue actuellement sur la ZAD. Que des conflits internes aient préexisté à ces divisions médiatiques et qu'ils puissent éclairer la partition actuelle est une donnée dont nous n'allons pas faire ici l'historique. Tout simplement parce que nous n'y avons pas pris part et que la situation présente est suffisamment éclairante en elle-même pour prendre parti dans cette division. Regarder simplement les faits et leurs résultats suffit amplement à les juger. Il y a en effet deux camps aujourd'hui, à savoir ceux qui font le jeu de l'État et ceux qui tentent de s'en défaire. Mais pour juger des faits, il faut déjouer le spectacle qui les entoure, les effets d'affichage dont ils font l'objet et les mensonges qui s'y cachent. Mensonges dissimulés maladroitement derrière les mots composition, unité, force de la diversité, qui sont devenus les slogans publicitaires d'un âge adulte de la contestation enfin advenue. Mensonges entièrement discernables dans le fameux texte des 6 points que certaines composantes de la lutte présentent comme l'incarnation du consensus obtenu après un long apprentissage des compromis et qui donnerait la possibilité à toutes de s'y retrouver leur compte dans une campagne débarrassée d'un aéroport. Depuis déjà quelques années, la création d'une entité juridique revendiquant l'appropriation légitime des terres est devenue la pierre angulaire de la stratégie officielle du mouvement. Une bonne partie du mouvement s'est ainsi réconfortée sur le fait que, après l'abandon de l'aéroport, c'était anticipé et que cette solution permettrait à tous les habitants de rester vivre sur la ZAD. Le mensonge est précisément là. Et il éclate malheureusement à la figure de ceux qui en avaient pris la mesure, c'est-à-dire ceux-là même qui ont vu leur habitat détruit en miettes depuis le 9 avril. Pas de l'ARZAD. Illusion et mensonge, parce qu'en mobilisant l'imaginaire du Larzac et en proposant de reprendre la formule qui a fonctionné là-bas, il s'agissait précisément de nier la singularité de l'histoire de la ZAD depuis 10 ans. La réussite de la négociation de l'État avec le Larzac a donné des résultats que l'on sait, parce que les personnes qui occupaient le camp militaire et souhaitaient y rester étaient tous candidats pour devenir chefs d'exploitation. Une fois le projet du camp militaire abandonné, les terres du Larzac pouvaient tranquillement être prises en main par des agriculteurs. Au Larzac, il n'y a eu aucune velléité d'occuper les terres pour remettre en cause une agriculture entièrement prise dans un processus de normalisation industrielle. Personne n'allait s'offusquer du fait que cet arrangement avec l'État, qui donnait des terres en gestion aux agriculteurs, permettrait à la firme industrielle Roquefort Société d'y accroître ses plus-values, enrobée dans une appellation d'origine contrôlée qui donnerait le change à l'exigence de qualité qui faisait jour. L'industrialisation faisait encore l'unanimité dans les campagnes et personne ne voyait encore dans les AOC un enfumage publicitaire qui permettait d'accentuer l'exploitation des sols, des animaux et des humains. A contrario, à la ZAD, la simple appropriation collective des terres ne pouvait pas signifier une quelconque victoire si elle devait advenir. La normalisation industrielle des campagnes n'ayant fait que s'approfondir en 40 ans, c'est tout logiquement que la plupart des gens venus s'installer sur la ZAD l'ont fait en rupture totale avec ces normes industrielles encadrées par une administration agricole toujours plus puissante. Cette vie en sécession avec l'État n'a pu se déployer que parce que le rapport de force permanent sur place a permis, à partir de 2013, de tenir l'administration hors de la zone. Habitat et activités agricoles, notamment, partageaient une parfaite illégalité, en même temps qu'ils privilégiaient un rapport poétique et collectif au monde en rupture avec les injonctions productives et individualistes qui dégoûtent les plus passionnés de se faire agriculteurs. Cette perspective stratégique, qui tente de se réaliser aujourd'hui, était donc un mensonge, au mieux par omission. La prétendue solution d'appropriation pour tous ne pouvait pas en être une. Tout simplement parce qu'une fois que l'État remettrait la main sur la ZAD, même en offrant la gestion des terres à une entité juridique portée par le mouvement, il ne pouvait qu'imposer l'État de droit. Or, le niveau d'illégalité de chacun n'a jamais été tellement également partagé. La régularisation qui devait exiger l'État ne pouvait pas concerner tout le monde et pas de la même façon. Celles et ceux des habitants de la ZAD qui ont pris l'initiative de lancer la négociation avec l'État ne pouvaient pas ignorer qu'ils allaient participer activement à une opération de tri entre les régularisables d'un côté et les autres, c'est-à-dire la majorité, les non-régularisables,
et les régularisables qui ne voudraient pas se régulariser pour ne pas perdre de sens de ce qu'ils vivaient sur la ZAD. Il était également évident pour ces apprentis négociateurs, qui pour la plupart n'ont pas eu leur habitat détruit depuis le 9 avril, que les habitats les plus menacés étaient essentiellement situés à l'est de la ZAD, à la fois parce qu'il n'y avait pas d'habitat en pierre, de ce fait donc pas régularisable, mais seulement des cabanes qu'aucune PLU, plan local d'urbanisme, n'accepterait de régulariser. Et aussi parce que les vies qui s'y déployaient ne pouvaient pas se fondre dans un statut de chef d'exploitation. Le « on défend tout le monde » a donc toujours été un mensonge crapuleux, une vitrine présentable pour masquer la réalité. Ça pollue, l'aérosol. Quand quelques habitants s'approchent, on entend la police qui dit « reculez tout de suite, nous allons faire usage de la force, reculez, nous allons faire usage de la force » et à ce moment-là, des grenades assourdissantes peuvent retentir. Donc pour l'instant, ça s'est un peu calmé et c'est là où on est vraiment dans une guerre de tranchées, c'est-à-dire que les zadistes se regroupent, il y a des détonations. Donc là, juste derrière cette barricade, c'est un char de la gendarmerie qui est assez massif, qui doit faire près de 2 mètres, 2-3 mètres de haut, et donc une vingtaine de gendarmes qui sont placés juste derrière, et impossible de s'approcher. Quand quelques habitants ont voulu passer et prendre un chemin, qui étaient deux personnes plutôt âgées, ils sont fait, entre guillemets, incendiés. En tout cas, ils ont dû partir, ne pouvant utiliser ce chemin juste ici sur le côté, à droite et à gauche de la barricade. Donc voilà, donc ça bouge. De temps en temps, les zadistes se regroupent, des détonations, on s'éloigne, on va un peu plus loin et ça recommence. Carrefour de l'info, face à face, toujours très tendu en ce moment entre les gendarmes et les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les expulsions ont repris à l'aube. Vous le voyez sur ces images avec ce camion de gendarmes qui a été incendié il y a quelques minutes par des zadistes. On va retrouver Jean-Michel Decaze. Vous êtes au cœur de la ZAD. Comme hier, il y a donc eu des gaz lacrymogènes, des tirs de projectiles et donc ce camion de gendarmes qui vient juste d'être incendié, avec des zadistes qui refusent catégoriquement de quitter les lieux. Oui, tout à fait. Nous sommes dans l'un des endroits emblématiques de la ZAD. Vous voyez juste à côté de nous cette petite maison. C'est l'une des maisons d'habitation des zadistes. Cette maison qui ne va pas rester debout encore très longtemps puisque les forces de l'ordre sont juste à côté. Et ici, il y a encore quelques minutes, eh bien, écoutez, nous étions tous chaussés d'un casque anti-gaz pour éviter la lacrymogène puisque nous étions ici dans ce jardin, dans ce squat, eh bien vraiment dans un nuage de gaz lacrymogène et les violences ont repris vraiment de plus belle. Ce matin, de bonne heure, on avait l'impression que les forces de l'ordre entraient facilement, avançaient très facilement et très rapidement sur les routes de la ZAD. Et puis tout à coup, il y a eu ce coup d'arrêt ici, donc dans ce jardin. Qu'est-ce que c'est Radio Klaxon. 107.7. Il était une fois sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On s'est dit que la situation était suffisamment floue à l'intérieur de la zone pour qu'elle puisse être complètement incompréhensible dehors et que peut-être on pouvait se retrouver pour
et essayer de construire un truc qui était plus clair pour le dehors. Si tu veux savoir ce qui se passe sur la ZAD en faisant la vaisselle, ou en rangeant ta chambre, ou dans le métro, on a pensé à toi. Klaxon pense à toi. On s'est rendu compte que qu'on allait parler de trucs dans lesquels on est tous et toutes vachement impliqués, que du coup on n'allait pas faire un récit objectif ou neutre de la situation. Et que là, un peu sur les différents sites, sur les différentes boîtes mail, des trucs, en fait, il y a plein de gens qui posent plein de questions sur « mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi vos besoins ? C'est quoi vos envies ?» En fait, on ne sait pas comment se positionner par rapport à ce qui se passe ou pas. On est des occupants et des occupantes qui viennent de plusieurs endroits sur la zone, qui ne se réunissent pas dans un groupe affinitaire à des moments, et que c'est... Bon, là, on est réunis pour faire ce texte à ce moment-là, quoi. Quand même, on est une bande de potes. Et quand même, on est une bande de potes. Enfin, je veux dire, on n'est pas des gens comme... pas d'accord entre eux. Oui, oui. Enfin, ça dépend sur quoi, mais on est un peu des gens qui... on a l'habitude de se croiser et de s'organiser un peu ensemble, quand même. On a des affinités. Ouais. Mais on n'a pas de nom. Parle pour toi. La médiation. Bon, on se concentre ? Oui. Alors, il nous semblait que, pour expliquer aux gens ce qui se passait maintenant, il fallait remonter à au moins la médiation que Macron il a mis en place. Mais qu'en fait, à partir de ce moment, il avait un peu l'idée de « Oula, dis donc, ça sent le sapin pour l'aéroport » et on dirait qu'ils sont en train de lui faire une espèce de cercueil sur mesure. Ouais, il me semble que ça... c'est à ce moment-là que c'est beaucoup ressorti, alors qu'on en parlait déjà depuis un petit moment, mais que c'est ressorti cette histoire de « Ah, mais peut-être il va falloir qu'on voit avec l'État comment on reste ici après, qu'est-ce qu'on fait des terres ?» Du coup, à ce moment-là, il y a eu redit déjà de « Ah, mais oui, des gens qui depuis plusieurs années font du taf sur ces questions-là, de l'avenir de la zone, notamment l'avenir des terres et tout ça, et tout ça. » Je sais pas, ça a commencé quand déjà, la médiation ? En juin. De juin à décembre 2017. Macron, il a nommé trois personnes, pas trop pro-aéroport, on va dire. Et que pendant 6 mois, ils ont discuté avec des groupes, ils ont relu des rapports, ils ont redemandé des rapports. Ils ont, pour la première fois, dit des trucs du genre « Oh là là, mais peut-être qu'en fait, il existe un plan B et qu'on n'est pas obligé de faire cet aéroport, parce qu'avant, les autorités n'avaient jamais reconnu. » Des choses comme ça. Qu'au début, la médiation s'est surtout concentrée sur des aspects très techniques, très technico-technique chiant, du style combien il y a de passagers dans les avions du futur et du coup est-ce que ça va faire moins de bruit quoi. Et ils ont rencontré genre les spécialistes du sujet des pour et des contre pendant un moment, puis un jour un peu abracadabra ils se sont réveillés et ils se sont dit ah bah à partir de maintenant on va penser à l'avenir de la ZAD. Et du coup à partir de ce moment là en fait on a changé de stratégie. Et au lieu que chaque structure ou chaque association ou chaque individu aille juste parler sur son domaine de compétences techniques, on a essayé de s'organiser pour porter une voix commune de tout le mouvement anti-aéroport et voilà. Ce qui avait été dit une fois pendant un des comptes rendus qu'il y avait eu, c'était en gros, les médiateurs ils disent en fait, qu'est-ce que vous pouvez proposer si on a besoin d'un projet d'aéroport ? En gros, c'était de comment vous allez vendre la... votre projet à vous, quoi. Un éco-quartier. Oh, pardon. Mais c'est à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a eu d'imaginer de faire une délégation intercomposante, du coup, avec plein de personnes de toutes les composantes du mouvement anti-aéroport, pour montrer dès cette période-là qu'on avait un projet ensemble et que c'était pas chaque association ou je sais pas quoi qui portait un projet, mais qu'il y avait quelque chose de plus collectif que ça. Mais les et occupants, à cette époque-là, ouais, les occupantes, on avait dit « Ah, on veut bien que ça existe, on veut bien participer à élaborer ce qui sera dit, mais on ne veut pas y aller. » En tout cas, des gens portaient ça, d'essayer de rester un peu impalpable par les gens du gouvernement, et du coup, ça consistait à ne pas aller dans leur bureau. Mais c'est déjà, à ce moment-là, ça n'a pas été facile. Les autres composantes nous ont un peu dit... on ne pourra pas porter vos revendications à votre place. Ça dépend des revendications, ça. Il y en a, ils ont dit un peu, on va même pas essayer. Il y en a d'autres, on dit, oui, bon, on pourra pas le faire nous, quoi. Mais ils ont dit, on veut bien, tu vois, les soutenir ou quoi, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on n'a pas encore dit aux gens, c'est qu'il y a plein de choses, plus ou moins bidons, qui se sont proposées depuis des années et sans attendre l'abandon de l'aéroport, pour causer de... Ah, oui, garder les terres,
faire pour un truc différent, pas forcément agricole, pas forcément conventionnel, tout ça, tout ça. Que ouais, que des trucs comme les 6 points, ça émanait de ça, et puis aussi des groupes qui sont censés comme bosser là-dessus, à différents niveaux, et avoir des commissions, des idées, des machins, des trucs. Pour préparer ce moment, quoi. Et que ça fait. Enfin voilà, c'est juste pour dire que ça sort pas de n'importe où, en mode paf, le gouvernement il abandonne et nous on prend un neuf d'un projet juste saugrenu qui sort de nulle part. Je sais pas, on raconte pas qu'on a écrit un super paragraphe nul sur comment c'est chouette d'être un zadiste. Oui, c'est dans ce super document. Ah ouais. Oui, on a écrit qu'on avait des super... dans les nouvelles habitants, des constructions, innovantes. Une dynamique locale pour la mise en œuvre. Des acteurs et des actions. Ouais, voilà. C'est dans cette partie-là. Bon, mais en gros, pour expliquer le machin, c'est les autres composantes qui ont écrit un espèce de projet dont c'était officiel qu'il était à peu près bidon à aller présenter à la médiation pour qu'ils aient un truc à se mettre sous la dent, quoi. Et nous, on s'est retrouvés hyper en speed à ce qu'on nous propose d'écrire un paragraphe sur les occupantes, qui on est, et, je sais pas, qui sont-ils, que veulent-ils. Quels sont leurs réseaux? Je sais pas, un truc un peu comme ça. Ils ont des ordinateurs, c'est une mouvance organisée. On a écrit très très à l'arrache qu'on s'est retrouvé à... Enfin, ouais, on s'est retrouvé à écrire une espèce de texte de publicité de nous-mêmes. C'était hyper bizarre comme truc. Bref, on écrit des trucs bidons, quoi, pour dire on est trop super, on est trop socialement... On met en place des, je sais pas, des trucs... des manières de vivre alternatives qui répondent à la crise actuelle, je sais pas quoi, enfin des trucs à la con, quoi. C'est trop classe. De quoi? Ça, c'est nous qu'on fait ça. On est balèzes, hein. Ouais, ouais. Ah bah, je savais même pas, tu vois. Les 6 points. C'est les 6 points. Chut. C'est le moment de la prière. Bon, les 6 points. Les 6 points. Moi, j'ai l'impression que l'histoire courte, c'est ça vient d'une époque où les squatteurs avaient peur de se faire foutre dehors par les paysans et les paysans avaient peur de se faire foutre dehors par les squatteurs. Époque complètement révolue. Dis donc le rire derrière là, hein. On va pas nous croire après. Bref, la ZAD avait peur. Les gens se sont dit, tiens, on a qu'à écrire un truc qui nous tient ensemble et qui nous engage ensemble. Et plutôt genre, si on faisait un long processus de discussion, ou plutôt on se rencontrait les uns les autres et on essayait de se dire comment on pourrait vivre ensemble et de quoi on aurait besoin pour avoir moins peur les uns des autres, et à la fin, ça a été genre mis sur papier. En tout cas, il y avait besoin d'une base commune pour un peu se projeter vers l'avenir, quoi. Que s'il n'y avait pas ça, ça m'était quand même une nécessité en tout cas. Ce texte en 6 points a pour but de poser les bases communes nécessaires pour se projeter sur la ZAD une fois le projet d'aéroport définitivement enterré. Il a été réfléchi au sein d'une assemblée régulière, ayant pour objet de penser à l'avenir des terres une fois le projet d'aéroport abandonné. Assemblée qui regroupe des personnes issues des différentes composantes du mouvement de lutte, ce texte a été longuement débattu à plusieurs reprises dans de multiples composantes et espaces d'organisation du mouvement. Nous défendons ce territoire et y vivons ensemble de manière diverse dans un riche brassage. Nous comptons y vivre encore longtemps et il nous importe de prendre soin de ce bocage, de ses habitants, de sa diversité, de sa flore, de sa faune et de tout ce qui s'y partage. Une fois le projet d'aéroport abandonné, nous voulons 1. Ça veut dire que c'est le premier point. Que les habitants, habitantes, propriétaires ou locataires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'expulsion puissent rester sur la zone et retrouver leurs droits. 2. Que les agriculteurs, agricultrices impactés en lutte, ayant refusé de plier face à AGO Vinci, puissent continuer de cultiver librement les terres dont ils, elles, ont l'usage, recouvrir leurs droits et poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions. 3. Que les nouveaux habitants et habitantes venus occuper la ZAD pour prendre part à la lutte puissent rester sur la zone. Que ce qui s'est construit depuis 2007 dans le mouvement d'occupation en termes d'expérimentation agricole hors cadre, d'habitat autoconstruit ou d'habitat léger, cabanes, caravanes, yourtes, etc., de formes de vie et de lutte, puissent se maintenir et se poursuivre. T'as le meilleur des points, toi.
que les terres redistribuées chaque année par la Chambre d'agriculture pour le compte d'AGO Vinci sous la forme de baux précaires soient prises en charge par une entité issue du mouvement de lutte qui rassemblera toutes ses composantes. Que ce soit donc le mouvement anti-aéroport et non les institutions habituelles qui déterminent l'usage de ces terres. 5. Que ces terres aillent à de nouvelles installations agricoles et non agricoles, officielles ou hors cadre et non à l'agrandissement. Que ces bases deviennent une réalité par notre détermination collective. Et nous porterons ensemble une attention à résoudre les éventuels conflits liés à leur mise en œuvre. Nous semons et construisons déjà un avenir sans aéroport, dans la diversité et la cohésion. C'est à nous toutes et tous, dès aujourd'hui, de le faire fleurir et de le défendre. Je crois que c'est juin 2015. C'est un chouette texte et c'est une chouette base, mais et que quand on le lit, enfin moi personnellement quand je le lis, je me dis ah ouais c'est super et tout. Mais c'est sûr, c'est des promesses, c'est des, enfin c'est pas hyper tangible et concret comme, enfin sur ce à quoi ça engage matériellement et au quotidien et que bon c'est un peu le sport zadional de se dire ah si t'es pas d'accord avec moi tu respectes pas les 6 points quoi. Après moi je trouve il y a des trucs concrets qui existent déjà, qui dans lequel il y a des références dans ce texte là, alors je sais pas qu'est-ce qui découle de quoi, mais par exemple le fait qu'il y ait depuis quelques années des prises de terre régulières par le mouvement pour dire en fait ces parcelles là la chambre d'agriculture elle les redistribue plus à des agris qui les exploitent annuellement, mais c'est le mouvement anti-aéroport dans son ensemble qui les prend en charge comme c'est dit là dans le texte. Ça, je trouve que ça fait partie des trucs quand même concrets qui font que petit à petit, au fur et à mesure des années, le territoire qu'on prend en charge en entier, là, il est de plus en plus grand. Et avec l'idée que, dans le futur, on puisse gérer toutes les terres de la ZAD de cette manière-là, quoi. C'est sûr, il y a des parties qui sont floues, parce que c'est des grands trucs communs qui sont là pour nous réunir aussi, et tout, c'est un peu... Moi, je vois, c'est un peu comme une constitution dans un État, quoi. C'est un peu un truc... c'est pas effectif, mais ça donne les grandes lignes de vers quoi on veut aller ensemble et de... C'est quoi les buts, quoi, et comment ça fonctionne. Moi, j'ai vu un peu ça comme ça, et que, du coup, ça demande plein de trucs en pratique, du coup, plein de trucs de « Ah, mais en fait, là, dans les détails, c'est plus compliqué que ça, etc. etc. » Moi, je pense, pour finir sur les 6 points, on peut dire que aussi il y a eu une sacrée propagande qui a été faite sur les 6 points, que ça a été dit et redit pour que ça devienne la fameuse base commune, ce qui n'est pas tout à fait gagné, mais je crois quand même, après que tout le monde se donne, on voit ce que c'est que les 6 points, à peu près. Le sixième, par contre, qui se porte garant des 5 premiers, je vais le relire, c'est « Que ces bases deviennent une réalité par notre détermination collective. » Jusque-là, tout va bien. « Et nous porterons ensemble une attention à résoudre les éventuels conflits liés à leur mise en œuvre. » Ça suggère beaucoup de choses à la fois. Et que, notamment, si t'es pas d'accord avec les 6 points, t'es pas d'accord avec l'avenir, quoi. Enfin, t'es pas d'accord avec nous. Voilà, moi je trouve ça super dangereux. Bah, moi je l'entends comme un aveu, enfin une reconnaissance que c'est pas parce qu'on a des bases communes que ça va résoudre tous les conflits qu'il y a entre nous. Et c'est de se dire, on sait qu'il y aura des conflits et on va essayer de les résoudre ensemble et d'avancer ensemble plutôt que soit de s'en remettre aux institutions habituelles, soit d'arrêter de se causer. Bon. On veut pouvoir se passer des institutions habituelles de gestion des conflits que sont la justice, la police, etc. quoi. Moi, ça veut dire ça aussi, ce point. Ah, c'est fou l'interprétation qu'on peut tirer de ce sixième point. Le mouvement anti-aéroport. Moi, je me demandais si on va beaucoup parler de ensemble. On a déjà parlé, déjà beaucoup utilisé ce terme de ensemble. Et peut-être à un moment, on pourrait parler de ce que c'est ce ensemble. Une espèce d'intercomposante, on voit beaucoup les mêmes têtes qui représentent une composante à eux seuls. Ou elles seules. Alors, il y a le mouvement d'occupation. Ça, c'est nous. Wouhou ! On est le mouvement d'occupation. Tout un tas de plus ou moins vieilles habitantes de la zone. On s'organise de façon au plus possible horizontale dans des espaces plus ou moins formelles, qui sont la réunion du jeudi, l'AG des occupantes, et ensuite dans des groupes affinitaires politiques. Ça, c'est le mouvement d'occupation. Vous voulez présenter, vous voulez dire autre chose sur le mouvement ? On ne sait pas trop combien on est. Et
et que j'ai l'impression que ça peut juste dire c'est des gens qui habitent dans des collectifs et tout seul, enfin des situations assez variées quoi, j'ai l'impression. En fait le seul truc qu'on a en commun c'est d'habiter sur la ZAD sans statut quoi. Il y a Copain, un collectif des organisations paysannes indignées par le projet d'aéroport, un truc comme ça, qui regroupe des associations, associations ou des structures syndicales ou des groupes comme le GAB, pour le Groupement d'agriculture biologique, le CIVAM. La CONF, 44. Il y a aussi des gens, pas dans des groupes, il y a aussi des indignes. Manger bio, je crois. Ouais, manger bio aussi. Je pense que l'objectif de Copain est beaucoup plus clair politiquement ou en pratique que pour le mouvement d'occupation. Ça reste quand même une composante agricole, principalement, et que nous, on débat ou on réfléchit sur des sujets encore plus vastes que uniquement le mouvement agricole. Donc forcément, ça rend encore plus complexe les discussions, les décisions. Il y a la CIPA. La CIPA, c'est l'association citoyenne intercommunale contre le projet d'aéroport. C'est un peu la plus vieille structure qui s'est créée dans les années 2000, en l'an de grâce 2000. Je crois bien. Qui regroupe énormément d'adhérents. C'est une structure associative, verticale, classique, quoi. C'est pas mal eux qui ont bataillé sur toutes les questions juridiques, qui ont fait à fond là, des recours juridiques sur tout un tas de trucs liés au projet d'aéroport, etc., qui ont bossé sur des questions hyper techniques et tout. Et comme ils ont un fonctionnement de structure très verticale, et ben il y a un président, il y a des coprésidents, il y a un CA, enfin un bureau, un CA, des représentants, des porte-paroles, etc. Ce qui fait que des 3000 adhérents, nous on voit 10 personnes quoi, régulièrement. Et puis après il y a aussi des gens qui sont des comités de soutien, etc., etc. Bah ça dépend dans quels espaces quoi, on les voit. En AG ou en chantier ou au quotidien, etc. Pour les décisions, ils sont pas à 10. Tu dis plus ou moins? Ah, je dis beaucoup moins. Il y a au moins 2. C'est ça que je voudrais montrer par rapport à ce ensemble, là, c'est qu'en fait, on fait jamais face à des dizaines de personnes avec qui on a des longs débats sur c'est quoi l'avenir de la ZAD, etc. Plutôt, on fait face à quelques individus qu'on connaît bien, avec qui on a un historique. Et qu'en fait, beaucoup de ce ensemble, il repose sur ces quelques liens qu'on a avec ces personnes et pas sur des rencontres intercomposantes qui durent des semaines, etc. Enfin, c'est pour ça que plein de gens ils doutent de cet ensemble, c'est que c'est quand même quelque chose de fragile quoi pour moi. C'est un truc. Et qu'après, il y a par exemple une autre composante, ce serait les naturalistes en lutte. C'est les naturalistes qui se sont dit mais on est en lutte, d'où leur nom. Parce que le projet d'aéroport, c'est la manière dont étaient faits les rapports du naturaliste, c'était vraiment tout pourri. Et du coup c'est ça qui les a fait arriver par là. Du coup c'est un peu un groupe qui a comme beaucoup de voix sur tout ce qui est point de vue écologique et... Et du coup, qu'est-ce que ça implique, ce qu'on choisit nous, ce qu'on fait nous dans nos pratiques, dans nos actes, qui sont pas très nombreux. Ils ont un avis d'expert sur les questions botaniques, d'insectes. Écologique en général, écologique. Ouais. Ils portent aussi quand même assez fort que la meilleure façon d'entretenir la biodiversité du bocage, c'est que la ZAD demeure, quoi. Et il y a la cohorte, du coup, dont on n'a pas parlé. Cohorte, c'est le petit nom de la coordination des opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une soixantaine d'associations et de partis politiques différents, dans lequel, pêle-mêle, il y a France Nature Environnement, Europe Écologie Les Verts, le NPA, le Front de Gauche, il y a Greenpeace, enfin, voilà. Il y en a beaucoup, donc c'est pas possible de tous et toutes les citer. Il y a des gens donc, de la coordination qui viennent régulièrement aux AG, et c'est vrai que celles-là, plutôt, on les voit souvent, c'est celles avec qui on a vraiment le plus de liens, mais voilà, elles sont pas du tout, enfin, on n'a pas affaire à l'ensemble des adhérents des 60 structures de la coordination qui viennent à toutes les AG. Et il y a l'ADK, juste on peut dire peut-être rapido. L'ADK, c'est l'association des exploitants concernés par le projet d'aéroport. Et que, du coup, c'est des exploitantes agricoles qui ont pour truc en commun d'exploiter des terres qui sont concernées par le projet d'aéroport et qui sont réunies ensemble pour pouvoir batailler ensemble sur ces questions-là. Mais que maintenant qu'il n'y a plus d'aéroport, bon, les gens portent pas, enfin, des gens ils sont pas d'accord politiquement sur les questions d'avenir de la ZAD, quoi. Ils s'étaient réunis par des questions de... Ils étaient dans la même situation tant qu'il y avait un projet d'aéroport.
Et peut-être juste dire les comités de soutien, j'ai l'impression c'est, on ne sait jamais trop s'il faut dire que c'est une composante ou pas. Mais il y a plein de comités de soutien un peu partout en France qui sont plus ou moins actifs. Il y a des comités de soutien qui sont proches du mouvement d'occupation, d'autres qui sont plus proches des positions de la CIPA. Il y a régulièrement des intercomités qui sont des moments pour essayer d'avoir des espaces de discussion et de coordination entre des comités de soutien et des gens d'ici. Ça, c'est le mouvement de lutte contre l'aéroport. Sachant que ouais, à partir de maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui vont être redistribuées, en l'occurrence dans la CIPA. Je pense qu'ils se posent beaucoup la question de leur légitimité aussi à continuer après l'aéroport et de voir s'ils ne redistribuent pas les cartes pour créer quelque chose d'autre. Je pense pas que ce soit la seule à se remettre en question aussi en ce moment. L'abandon de l'aéroport. Alors le 17 janvier, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport. Wouhou ! Comment faire pour ne pas donner le sentiment que l'appareil d'État plie ? Il faut délégitimer. S'il n'y a plus d'aéroport, oui. Il n'y a plus de raison d'avoir une zone à défendre. Ensuite, il faut négocier une évacuation individu par individu, famille par famille. Et puis à un moment donné, il faut que la force légitime rentre en action. C'est évident, ouais. Il ne s'agit pas d'y passer 30 ans dans cette négociation. Ouais. Il faut refuser l'installation d'une contre-société utopique, même si elle peut avoir des côtés sympathiques. J'ai à vous nous expliquer, c'est que le scénario que peuvent peut-être envisager certaines personnes qui nous regardent ce soir, de dire bon... On prend peut-être la décision de ne pas faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais on évacue la ZAD parce qu'à un moment donné, il faut affirmer l'autorité de l'État. Le faire comme ça, ce serait une folie. L'État négocie avec un certain nombre de personnes qui sont sur place et va enclencher un système de rétrocession de terres vers des nouveaux propriétaires terriens, puisque rien ne dit que les agriculteurs qui sont fait exproprier souhaitent tous récupérer leurs terres. Et c'est de cette manière-là, d'ailleurs, que c'est la manière la plus intelligente de fragmenter une contre-société, puisque vous réintroduisez de la propriété avec des nouveaux agriculteurs qui, en général, y sont attachés. Et si certains de ces jeunes qui sont installés veulent devenir des exploitants agricoles légaux, ayant dûment une propriété qu'ils ont achetée et payant des impôts quand ils créent de la richesse, très bien, ça sera plutôt une sortie par le haut. Lettre à la République au sujet de la zone non motorisée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous ne voulons pas que ces terres soient à nous. Nous voulons que ces terres soient libres. Aucune règle, mis à part le respect du vivant. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Nous ne voulons pas travailler pour le système. Nous voulons apprendre ensemble et continuer à avancer vers l'autonomie. Dans la zone non motorisée, nous n'avons pas piraté l'eau et l'électricité, car nous vivons sans, avec parfois quelques panneaux solaires. Bien sûr, nous ne payons pas d'impôts, mais la majorité des squatteurs de la zone non motorisée ne touchent aucune aide, parfois par choix et rejet de l'argent, et aussi parce que beaucoup ont moins de 25 ans, et beaucoup sont étrangers. On ne vous demande rien, tout ce qu'on vous demande, c'est de rien nous demander. Ne me parlez pas du prix de ces terres, car qui peut prétendre posséder la terre ? De plus, vu la quantité de kérosène utilisée presque chaque jour depuis 2 mois pour nous espionner, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question d'argent. On ne veut pas détruire votre système, car on pense que votre système va se détruire tout seul. Et comprenez qu'à 20 ans, on n'a pas envie de s'investir dans une société qui fonce dans le mur. Ici, on a retrouvé un avenir et une vie qui a du sens. On vit dans la paix. On ne veut pas créer la violence. On en a déjà assez subi dans votre système. Néanmoins, on se défendra si vous voulez détruire les cabanes de terre paille et couper les arbres pour créer des exploitations qui vous rapportent. On se défendra si vous voulez nous arracher le dernier espoir ancré dans nos cœurs. Aujourd'hui, vous avez manipulé certains zadistes plus anciens, avec vos négociations, en leur promettant une propriété, afin qu'ils puissent demeurer légalement là où ils ont investi leur vie et parfois fondé une famille. Vous avez profité de ça. C'est malsain. Divisez pour mieux régner. Cela vous dérange donc autant que certains et certaines décident de vivre autrement ? Aujourd'hui, et devant leurs camarades de lutte, ils ont détruit la cabane dans laquelle j'ai vu mourir une personne qui luttait à nos côtés. Et cela me brise le cœur. Même pas un soupçon d'humanité quand j'ai proposé que cette cabane soit conservée en hommage. On ne m'a même pas répondu lorsque j'ai émis cette proposition. Je suis très déçu de l'humain, une fois de plus, mais heureusement, ici il y a encore une poignée de personnes, surnommées zadistes radicaux, qui restent unies et qui écoutent leur cœur et non leurs intérêts. Merci à eux. Mais au final, la stratégie de l'État, elle est débile. Même s'ils nous virent, on ira lui dire non à plein d'autres endroits, tu vois. Il y a Hoche contre un complexe autoroutier, il y a Di contre des parcs éoliens, il y en a énormément. Tu peux te faire un road trip ZAD de France. Tous les chemins mènent à la ZAD. Ouais. Bon, allez tous, c'est plus ou moins un peu français, quoi. Plus ou moins. Ah, la foule ! Ah, la foule !
coup, c'était juste à l'extérieur, ils ont balancé le machin à l'intérieur. C'est insensé de le lancer aussi proche. Là. Ah ouais, ouais, c'est niqué la main. Moi, tu as vu l'explosion. Tu es à côté, ça fait mal. Je suis blessé. Attention, je suis blessé. Ils étaient vénères quand même, hein. Ça durait plus de 2 heures. Là, vous étiez la première ligne avec tous les milliers de personnes qui arrivaient de Bellevue, qui sont suivi à chaque fois. Ouais, là, mais c'était dans le champ, bah, entre l'avoir vu et l'ambassadeur. Ouais, non, je vois bien, mais c'était vers 16-17h quand même. Non, là, c'était midi. Ok. Ah oui, c'était midi, ouais. Et bah oui, parce qu'après, on a marché tout le monde, bien sûr. Et ils gazaient, on a passé à travers le champ. Donc, là, ça faisait plus d'une bonne heure qu'ils étaient à bagarrer, on va dire. Plus. Hein. Donc, ils arrivent juste ici. C'est quoi qu'on entend, là, les cibles pour défoncer le barricade? Des flics. Le flic, vous avez une énorme barricade et il a détruit. Il y avait encore la grande porte de l'arcade, mais on l'avait démolie déjà. Elle était en train d'être démolie. Ah, ok. Ouais, okay. Non, 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 non. En fait, ils ont dormi 2 heures, en fait. Oh, non. C'est ici, ouais, un peu ici. Ouais, devant, là, c'est bien. C'est bien, c'est parti, faut prendre ici. 1, 2, 3. Allez, ça marche. Courage. Courage. Chargez. Première sommation. Charpente à gauche. On y est presque. Parce que s'il y a des gens qui disent stop, ouais, ouais. Bravo! C'est bien! On va y arriver! C'est la nouvelle discipline olympique, la charpente 100 mètres! Le 100 mètres charpente! Allez! On est à peu près comme les GM, on fait entre 5 et 10 mètres et puis on recule! C'est bien! Ouh! Ouais, bah, ça donne des. Mais la droite, ça a toujours galéré. Heureusement, ça marche pas à droite. C'est bizarre, hein, les GM, ils sont couleur bleu marine. Hein. Alors, est-ce qu'on est prêts? Et c'est 4, 2, et 3! À l'arbre. Il y a la cabane, on va cantonner un peu après. Il n'y a pas un éléphant ou quoi dans le coup. Allez, encore du monde là pour la charpente. Mais qu'on le fasse travailler, tu vois. On a dit on était contre l'esclavage humain, mais on n'en a pas parlé des animaux encore, du coup. Voilà, normal. Hein. De toute façon, les tritons. Non, ouais. Oh, de l'aide là. Viens avec nous, ouais. Non, il faut que tu t'arrêtes. Tape. Je vais te viser. Non, arrête, il va fondre.
Attention, je vais faire un tir tendu dans la tête. C'est tendant. Et paf, il explose. Oh, c'est pas juste. Le monde, il porte la charpente et tout. Le monde, il porte la charpente et tout. Le monde, il porte la charpente. 1, 2, 3. Allez, on est bien là. Stop! Bravo! Elle est très bien comme ça. Ouais, elle est magnifique. Regardez. Là, 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 là. Avec un peu de pédale. Je t'aurais eu. Elle ne filme pas les gens. Ah non, jamais.